Oui, Libéralo. Comment? Qui? Ah, monsieur Yvan Grimbert. Ah oui, oui, pardon. Oui, bien sûr. Oui, venez dans la matinée. Oui, je vous attends, c'est ça. À tout à l'heure. Oui, monsieur Grimbert, ce qui me tracasse un peu, c'est votre parenté avec Michel Brive. Surtout en ce qui concerne Philippe Roland. Vous savez que votre cousin ne peut plus le voir en peinture. Je sais. Mais je ne suis pas pareil. Je reconnais que ce que Michel avait fait n'était pas tolérable. D'autant plus que je connais votre nièce de vue. Et qu'une fille aussi charmante qu'elle ne méritait vraiment pas ça. Ah non. Ils étaient heureux ensemble. Et maintenant, les voilà séparés. En plus, je n'ai aucune nouvelle d'elle. Rassurez-vous, elle doit être chez une copine. Je suis sûr qu'elle reviendra très bientôt. Elle sera pleine de regrets. Et elle reviendra surtout très vite vers votre employé. Ça, je l'espère. Enfin, on verra bien. Oui, André. Bonjour, monsieur Verano. Ah, Philippe, bonjour, je me fais un peu de soucis. Tenez, dès que je vous présente, monsieur Yvan Grimbert, qui est le cousin de Michel Brive, et qui va le remplacer parmi nous. Ah, bonjour. Monsieur Philippe Roland, qui est directeur général de notre société. Enchanté. Je connaissais de réputation votre frère Georges. C'est ça, hein, Georges. Exact. Un sacré combinat en affaires. Et un dur, surtout. En effet, comme vous dites. Vous reprenez sa suite? Eh bien, comme vous reprenez la suite de votre cher cousin, suite d'ailleurs qui est très peu enviable, vu ce qu'il avait fait. Je m'excuse, mais il ne faut pas entièrement lui jeter la pierre. Vous étiez un peu fautif, non? Pardon. Allô? Société Verano, j'écoute. Oui, lui-même. Quoi? Une personne se prétendant être ma nièce est admise chez vous? Mais mon Dieu, Martine Rodier? Mais oui, c'est elle. Un accident de voiture? Oh non. Mais quand est-ce que c'est arrivé? Cette nuit? Ah bon, écoutez, j'arrive tout de suite. Hein? Les visites sont interdites? Mais enfin, je suis son oncle. Son état jugé trop grave? Dans le coma. Franchement, docteur, dites-moi la vérité. Mais qu'est-ce qu'elle a comme chance de s'en sortir? Une sur 100? Oh non, écoutez, docteur. Je compte sur vous. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour la sauver. Non, je payerai ce qu'il faudra. Écoutez, j'arrive. Non, bon, écoutez, je vais téléphoner. Merci, docteur. Au revoir. Écoutez, ne m'en dites pas plus. Est-elle vraiment... Ah, c'est ce qu'elle va s'en remettre. Ça, je ne sais pas. En plus, elle est gravement brûlée au visage. Mon Dieu, c'est incroyable. Martine qui était si fière de sa personne. Oui. Il n'y a plus qu'à attendre. Elle a dû rouler vite. Vous savez, elle a percuté une voiture qui était garée, tout feu éteint sur l'autoroute, c'est tout. C'est étrange. Pourquoi? Une voiture garée sur l'autoroute, tout feu éteint. C'est plutôt rare, non? En plus, elle démarre sans mettre ses phares. Écoutez, je m'excuse, monsieur Grimbert, mais ça n'est pas votre affaire. Oh non, Philippe, mon cher, compliquez pas la situation. On a déjà assez de sujets d'inquiétude. Oh oui, pas de mystère, il y en a eu assez. Oui, il a raison. Philippe Roland, pas d'agressivité, je vous prie. Ce que j'en disais, moi... Eh bien, gardez-le pour vous. Et puis après tout, je ne vois pas qui pourrait en vouloir à Martine, au point de la tuer. Ben, c'est vrai, ça. Mais je connais personne. Thank you.
Mis à part votre cher cousin. Monsieur Roland, je sens que vous ne m'appréciez pas. Est-ce pour ma parenté, Michel? Mais sachez que je me défendrai et que je ne serai pas décidé à me laisser faire par vous ou par un autre. Je vous interdis de traiter Michel d'assassin, compris? Amoureux, éconduit, jaloux, envieux, égoïste, d'accord. Meurtrier, non. Allons, il n'a pas voulu dire ça, ne vous énervez pas. Ce n'est pas parce que vous vous appelez Monsieur Roland qu'il faut que vous insultiez les autres en leur absence. Pourquoi vous énervez? À vous entendre, on dirait que c'est vous l'accusé, et pas lui. Michel et moi sont comme deux frères, et tout ce qui le touche, me touche. Compris? Mais dites après tout, Brive aurait pu la faire disparaître, en la séquestrant, et je dirais même mieux, la tuer, pour me la prendre à jamais. Vous êtes givré, mon vieux. Je suis parfaitement conscient de mes accusations et de mes actes. Et je n'en démordrai pas. Mais Philippe, vous vous rendez compte de ce que vous avancez? Malgré votre peine, on n'accuse pas quelqu'un sans preuve. Bon, entendez, monsieur Mirabeau. Je retire ce que j'ai dit, mais intérieurement, je n'en pense pas moins. Vous pensez ce que vous voulez, mais vous ne dites pas. Rappelez-vous ce que je vous avais dit à Brive et à vous-même autrefois. Ah, je suis navré, monsieur. Cette discussion ne concerne pas le travail. Et apprenez que je ferai tout pour connaître les circonstances étranges de cet accident. Attention, monsieur Roland. Ne me cherchez pas. Vous ne me connaissez pas. Mais attention, ou sinon il vous en cuira. Je suis très ambitieux et je veux me faire une place ici. Et nul ne me découragera. Là où Michel a fait le con, moi je ferai du bon travail. Et vous n'aurez rien à me dire. Ou sinon, gardez gaffe. Bien. En attendant, calmez-vous, messieurs. Ce que j'ai dit à Philippe, ce que j'ai dit à Michel, est valable également pour vous, monsieur Grimbert. Pas de guerre privée ici. Si vous avez des problèmes, vous m'en parlez, mais pas de vendetta. C'est bien clair? Oui. Oui. Vous avez travaillé ensemble. Alors je veux du bon boulot et des résultats. Sinon, tant pis pour vous. Monsieur Mirano, puis-je me permettre de vous demander un petit service? Me donner 2 heures cet après-midi pour aller voir Martine. Elle se fait opérer. Au moins, si elle ne m'entend pas ou ne me voit pas, je serai près d'elle par la pensée. Oui, je vous comprends très bien. Mais je ne peux pas vous refuser ça. Allez-y, vous me représenterez. Je vous remercie. Au revoir, grand-mère. Bonne chance. Merci, vous de même. Quel nerveux. Non. Il est inquiet pour ma nièce, tout simplement. On n'accuse pas les gens sans raison. Vous savez, monsieur Grimbert, je n'apprécie pas tellement la manière dont vous réagissez envers lui. Alors cessons cette discussion. Par ailleurs, on a du travail qui nous attend, vous et moi. Alors allez voir notre comptable pour lui faire préparer votre dossier. Et oubliez les paroles de monsieur Roland. Mon cousin a eu des torts envers lui, et surtout envers vous. Mais je n'admettrai pas qu'on parle de lui de cette façon, surtout dans son dos. Bon, arrêtez. Et ne levez jamais le ton en ma présence. C'est compris? Je parlerai comme je le voudrais, et nul ne m'en empêchera. Si vous croyez que je suis aveugle, je sais bien que vous détestez Michel, vous et votre employé. Mais maintenant, nous sommes égaux ici, dans la société. Il n'y a aucun reproche à me faire. Et vous connaissez Martine? Un peu, oui. Je reconnais d'ailleurs qu'elle était attrayante. Mais Michel était intéressé par elle déjà, alors je laissais tomber. Alors je vous avertis.
si jamais elle s'en tire, et qu'elle revient ici, et avec Philippe, défense de la toucher ou de les importuner. Sinon, je vous attaquerai, et je vous traînerai devant les tribunaux, vous et votre cousin. C'est bien compris, monsieur Grimbert? C'est très clair, oui. Je constate seulement que monsieur Roland est votre chouchou. Non. Il a été merveilleux avec ma nièce. Et c'est tout ce que je vois. Entendu. J'essaierai de me souvenir à l'occasion. Vous ferez bien. En attendant, allez donc vous installer à votre bureau et mettez-vous au travail. Bien. Mes respects, monsieur. Au revoir. Mais pourquoi je l'ai accepté parmi nous? Quel résultat va-t-on avoir? Pour rien. Ah, au fait, rapport à la discussion que nous avons eue chez le patron. Je vous interdis de parler à qui que ce soit de mes paroles. Elles n'engagent que moi. C'est bien clair? Et aussi, rapport à l'accident de ma fiancée Martine, je suis à peu près sûr que vous y êtes pour quelque chose. Et je vous donne ma parole, et ça je vous le jure, j'arriverai à vous confondre, vous et Brive. Ne rêvez pas trop. Vous risqueriez un jour de ne plus vous réveiller? J'en prends le risque. Faites comme bon vous semble. Je compte bien aller jusqu'au bout de mes idées et de mes actes. Alors, tenez-vous le pour dit. Ah, en fait, que j'apprenne pas que vous ayez eu encore des écarts de langage envers mon patron. Ou sinon, je vous promets que je m'occuperai personnellement de votre avenir ici. Entendu? Que vous me cassiez du bois par derrière, comme le faisait votre cousin, ça c'est votre affaire. Et que vous menacez un homme comme Verrado, je ne le supporterai pas. N'oubliez pas que vous lui devez votre poste et la mission de votre cousin. Ne l'oubliez jamais.